bonjour les enfants. Qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui les enfants, nous allons apprendre à poser une multiplication à deux chiffres. Voici une multiplication. Nous allons devoir trouver le résultat de 548 fois 32. Cette multiplication est en ligne. Nous allons la poser en colonne en faisant bien attention à mettre les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Dans un premier temps, pour simplifier le calcul, nous allons multiplier 548 fois 2. Puis, dans un deuxième temps, nous multiplierons 548 fois 30. Pour finir, nous ferons la somme de ces deux multiplications pour trouver le résultat de la multiplication qui nous intéresse, c'est-à-dire 548 fois 32. Commençons. Tout d'abord, je vais multiplier les unités de 548 par les unités de 32. 8 fois 2 est égal à 16. J'écris 6 et je retiens 1. Je passe ensuite aux dizaines de 548 que je vais multiplier par les unités de 32. 4 fois 2 est égal à 8, plus ma retenue, plus 1, est égal à 9. Je peux écrire le 9 et je n'oublie surtout pas de barrer ma retenue que j'ai utilisée. Enfin, je multiplie les centaines de 548 par les unités de 32. 5 fois 2 est égal à 10. Je peux placer le 0 puis le 1 puisque ma première multiplication est terminée. 548 fois 2 est égal à 1096. Passons maintenant à la deuxième partie. 548 fois 30. Comme il s'agit d'une multiplication par 30, pour simplifier mes calculs, je pose le 0. Il ne me restera plus qu'à multiplier par 3. Je commence par multiplier les unités de 548 par les dizaines de 32, par 3. 8 fois 3 est égal à 24. Je pose mon 4 et je retiens 2. Je passe ensuite aux dizaines de 548. 4 fois 3 est égal à 12. 12 plus ma retenue est égal à 14. Je place mon 4 et je retiens 1. Et je n'oublie pas bien sûr de barrer ma retenue. Passons aux centaines de 548. 5 fois 3, c'est égal à 15. Plus ma retenue, plus 1, c'est égal à 16. Je peux placer directement 16. Et je n'oublie pas de barrer ma retenue. Et voilà, ma deuxième étape est terminée. 548 fois 30, c'est égal à 16 440. Il ne me reste plus qu'à trouver la somme de ces deux multiplications. 6 plus 0 est égal à 6. 9 plus 4 est égal à 13. Je pose mon 3 et je retiens 1. Ma retenue plus 0 plus 4, c'est égal à 5. 1 plus 6, c'est égal à 7. Rien plus 1, c'est égal à 1. 548 fois 32 est égal à 17 536. Il ne te reste plus maintenant qu'à t'entraîner avec ton maître ou ta maîtresse, avec papa ou maman, ou même tout seul. Allez, entraîne-toi bien !